Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo facecam sur ma chaîne, je crois. Ça fait plus de 6 mois. Pour vous dire, regardez à quoi je ressemblais il y a 6 mois. Non, sincèrement, j'ai un peu changé quand même. Dites oui, faites-moi plaisir. Non, plus sérieusement, les gars, je vous avais dit dans une autre vidéo que pour samedi, dimanche, voire lundi, je vous préparais un nouveau style de vidéo. Voilà le nouveau style avec la facecam, etc. En tout cas, pour les anciens, vous savez très bien que je faisais ça avant. On va faire un truc simple, les gars, au pire. Si on a 1000 likes avant minuit sur cette vidéo, eh ben je continuerai à faire les facecams tous les jours sur la chaîne. 1000 likes avant minuit, je compte sur vous. Enfin bref les gars, je suis vraiment super content de vous retrouver. Aujourd'hui les gars, on va parler de pas mal de choses. Dans cette vidéo les gars, on va parler d'un nouveau skin secret qui va arriver très bientôt sur Fortnite Battle Royale. Et sincèrement, il est juste beaucoup trop beau. On va aussi parler les gars de la map qui va être enneigée sur Fortnite Battle Royale pour Noël, etc. On a enfin les preuves et je vais vous le montrer. Je vais aussi vous parler d'une nouvelle arme qui va arriver sur Fortnite Battle Royale, un fusil d'assaut lourd. Restez bien jusqu'à la fin, ça va être un truc de malade quoi. On va aussi parler du pass de combat qui a été annulé, qui a été repoussé à une autre date. Je vais vous dire pourquoi, les raisons et qu'est-ce qu'on va avoir en attendant. Et pour terminer la vidéo, on va parler de nos 350 V-Bucks qu'on a enfin retrouvés. À quoi ils vont servir? Quand on va pouvoir les avoir? Restez bien jusqu'à la fin. Alors déjà je vous mets directement le quatrième gagnant qui a gagné la boutique Fortnite. Bien joué à toi, voilà. Comme d'habitude contacte-moi sur Instagram. Mon Instagram dans la description, tu montres les preuves que c'est toi. Et voilà, je te donnerai la boutique Fortnite, il n'y a aucun souci. Si vous voulez remporter la boutique Fortnite, il n'y a aucun souci là-dessus. Déjà de 1, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un like à cette vidéo. Et tu mets ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire pour que je le vois tout simplement. Et la quatrième chose les gars, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous avez beaucoup plus de chances de participer. Donc voilà, vous mettez mon code créateur, je vous le mets directement à l'écran, et vous le mettez, et vous avez plus de chances de remporter la boutique Fortnite. Et j'ai envie de dire, bah allez-y. Enfin bref les gars, avant qu'on commence le vrai sujet de la vidéo, après j'arrête de vous embêter, c'est promis. Tout simplement les gars, une nouvelle application vient de sortir sur Fortnite. Tout simplement, je m'explique, ça s'appelle Beton You, et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner des cartes PSN, des cartes Xbox, des cartes Switch, des cartes Nintendo 3DS, non je rigole, enfin bref, vous allez pouvoir gagner pas mal de choses, pas mal de lots, mais des codes de réduction pour des chaussures, enfin bref, la totale, tout ça en jouant à votre jeu favori. Est-ce que vous me croyez? Donc que ce soit Fortnite, FIFA, il y a je crois Brawl Stars, etc. Enfin bref, il y a tous les jeux du moment. Je vous le mets lien en description, il est disponible pour tous les téléphones. Je vous mets le lien en description, téléchargez-le et amusez-vous bien pour cette appli. Enfin bref, on perd pas plus de temps que ça, on part directement pour le vrai sujet principal de cette vidéo. Bon, je sais que vous attendez que ça, tout simplement, on va commencer par le skin secret. Tout simplement, mardi, il y a eu mise à jour. Et comme d'habitude, il y a eu mise à jour, etc. Qui dit mise à jour dit nouvelles nouveautés sur le jeu, des nouvelles choses dans les codes sur du jeu PC. Et tout simplement, des leakers ont trouvé pas mal de choses, dont ce skin secret. Tout simplement, les gars, on a trouvé dans les codes sur du jeu PC qui va avoir très bientôt pour tous les joueurs qui ont le pass de combat un nouveau skin secret dans la boutique. Enfin, dans la boutique, vous allez comprendre. Tout simplement, les gars, ce skin secret, il y aura beaucoup plus d'évolution. En gros, ça sera un peu comme le roi du feu, si vous connaissez pas à l'époque, je sais plus comment il se rappelle du pass de combat. Mais tout simplement, je vous le mets directement à l'écran. Et bah, le roi du feu, il avait plusieurs styles en débloquant dans le jeu chaque semaine. Et bah, tout simplement, ce skin, il aura pareil. Déjà, je vous mets directement le skin à l'écran. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il est juste beaucoup trop beau. En plus, voilà, il y aura déjà beaucoup plus de styles à débloquer, etc. Je vous mets ça directement à l'écran. Et en tout cas, voilà, voici le skin secret, on va dire, du pass de combat saison 1, saison 2. Vous le prenez comme vous voulez. Et il est vraiment trop beau. Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire comme d'habitude. Est-ce que vous le notez sur 10? Est-ce que vous le mettez un 8, un 9, etc? Comme d'habitude, tout ça dans l'espace commentaire. La deuxième chose les gars, on va parler de la neige sur Fortnite. Alors oui, je sais, je suis dans le futur. Il y a peut-être une semaine de cela, je vous avais sorti une vidéo en disant que tout simplement, pour cette année, Fortnite vont mettre la neige sur la map, en gros, tout simplement. Sur toute la map de Fortnite, je vous l'avais dit, parce que tout simplement, l'année dernière, ils l'avaient fait, et ils avaient fait un taux de joueurs connectés en même temps qui était incroyable. Donc je me suis dit, c'est obligé, ils vont le refaire pour cette année. Et voilà, vous me connaissez, je viens du futur, et qu'est-ce qu'on voit dans les codes sur du jeu PC? On voit la map de Fortnite Battle Royale, tout ça enneigé, excusez-moi. Elle est vraiment beaucoup trop belle, et c'est ça qui me hype le plus, de voir la map de Fortnite Battle Royale complètement enneigée. En tout cas, la chose qu'on peut voir, c'est que tout simplement, il y a une partie de la map qui est plus enneigé que l'autre, voilà le bas à gauche. Maintenant, qu'est-ce que ça va signifier? Est-ce que en bas à gauche il va avoir quelque chose dans les prochaines semaines, du coup un événement, etc., pour qu'il y a plus de neige? C'est vrai que c'est bizarre, pourquoi en particulier en bas à gauche il y aurait beaucoup plus de neige que sur toute la map? Moi je vous dis les gars, il va avoir quelque chose sur Fortnite. À suivre, j'ai envie de dire. La troisième chose les gars, on va parler d'une nouvelle arme qui va arriver très bientôt sur Fortnite. Alors une nouvelle arme, on va dire ça comme ça. Tout simplement, je pense que vous connaissez tous l'AK-47 qu'on avait déjà à l'époque sur Fortnite. Je vous le mets directement à l'écran. C'était un fusil coup par coup, voilà. Et il était dans le chapitre 1 et c'était quand même surtitré. Et ben tout simplement, devinez ce qu'on a trouvé dans les codes sur du jeu PC. On a trouvé une nouvelle arme qui va arriver très bientôt sur Fortnite.
et elle est vraiment très mais très stylée. Je vous le mets directement à l'écran, voilà. On va dire que c'est la deuxième AK-47 du jeu, version remasterisée. Voilà, je vous le mets directement à l'écran, elle sera pour légendaire et en épique. Et pour l'instant, on ne sait pas encore son taux de dégâts. Tout simplement, on ne sait pas si ça va être cheaté dans le jeu. Mais d'après des testeurs qui ont déjà testé la nouvelle arme, voilà, grâce au code sourd, etc., ce serait vraiment une arme super cheat qui tue en 3 coups. Imaginez-vous, en 3 coups, c'est vraiment énorme. En tout cas, les gars, voilà, vous êtes au courant. Une nouvelle arme va arriver sur Sunday Battle Royale. Maintenant, la date que ça va arriver, je vous dirai dans la semaine prochaine, la semaine encore et encore prochaine. Mais en tout cas, vous êtes sûr à 100%. Dans les prochains jours, les gars, on va avoir une nouvelle arme sur Fortnite et elle va être extraordinaire. Et maintenant on va passer les gars à un sujet je pense que vous attendez tous. Le pass de combat a été annulé. Alors oui, si pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, tout simplement le pass de combat chapitre 2 saison 2 a été annulé entre guillemets. Tout simplement les gars, le pass de combat chapitre 2 saison 2 était prévu pour le 13 décembre, donc du coup dans un peu moins d'un mois alors qu'on parle. Il y a déjà eu des centaines et des centaines de vidéos de youtubeurs qui en parlaient, etc., qui faisaient des théories sur le sujet, etc., du nouveau pass de combat dont moi je vous ai sorti une nouvelle vidéo. Et tout simplement il y a eu une mise à jour mardi et on a eu des drôles de surprises. Tout simplement Fortnite font un post pour nous annoncer que le pass de combat serait annulé, enfin plutôt repoussé. Aïe. Du coup le pass de combat a été annulé et a été repoussé, on va dire à peu près 3 mois après. C'est énorme. Imaginez-vous qu'un pass de combat de base dure à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Là le pass de combat va durer 5 mois, imaginez-vous, c'est un truc de fou. Voilà, vous allez me dire, mais d'accord là Fortnite va mourir, etc., c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils nous font. Mais sincèrement les gars, j'ai une question à se poser. Est-ce que maintenant qu'un nouveau pass de combat sort, on a autant les paillettes dans les yeux qu'on avait à l'époque? Ah, je vois que je vous ai touché. Non, plus sérieusement les gars, avant qu'un pass de combat sortait, on va dire le pass de combat saison 4 au pass de combat saison 5, tout simplement quand il y avait un nouveau pass de combat, on était trop hypé, on était en mode waouh, c'est un truc de fou, faut se connecter à l'heure là quand ça sort. Et alors que là maintenant les gars, on va pas se mentir, quand il y a un nouveau pass de combat qui sort, bah on est un peu moins hypé, on se dit waouh, c'est un truc de fou, waouh, et hop, on arrête, on s'en fout. Et Fortnite l'ont très bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, quand le pass de combat va pas être là, donc du coup repoussé, Fortnite nous ont prévu des trucs. Bah oui, ils sont pas cons. Tout simplement, qu'est-ce qu'ils nous ont prévu pour, on va dire, ce retardement de passe de combat? Ils nous ont prévu pas mal de choses. Écoutez-moi bien, accrochez-vous à votre chaise. Bon, moi j'ai une chaise bizarre, mais c'est pas grave. Accrochez-vous à quelque chose. Tout simplement, Fortnite nous ont préparé un truc de malade. Fortnite a annoncé que pour Noël, les joueurs qui n'ont pas le passe de combat et qui auront le passe de combat, donc en gros, voilà, il n'y a pas de jaloux, on va dire ça comme ça, tout simplement recevront 30 cadeaux gratuits sur leur compte Fortnite. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les gars? C'est que tout simplement, on va avoir 30 cadeaux gratuits pour tous les joueurs. Et c'est un truc de malade. Bon, déjà, attendez-vous qu'il y aura 25 cadeaux, ça va puer sa mère. Ça, c'est sûr à 100%. Ils nous ont aussi prévu les 14 jours de Fortnite. Donc, du coup, on aura 14 cadeaux gratuits. Bon, ça va compter dans les 30, bien sûr. Non, sérieusement, les gars, il n'y a peut-être pas le pass de combat. Mais sincèrement, ça va être un truc de malade. Alors, soyez présents pour Noël sur Fortnite. On est qu'au bout de notre surprise. Enfin bref les gars, on va parler directement pour le vrai sujet principal de cette vidéo. On va parler de nos 350 debugs gratuits. Alors les gars, il y a une chose qui est en train de faire parler d'elle en ce moment sur Fortnite, plutôt sur le Reddit de Fortnite. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais un peu le Reddit, c'est le côté sombre de Fortnite si vous préférez. C'est un peu là que toutes les informations sortent, on va dire. Et tout simplement les gars, pour toutes les personnes et pour tous les anciens, normalement Fortnite devait nous envoyer 350 debugs gratuits lorsqu'on se connectait à Fortnite Halloween pendant l'événement. Au final Halloween est arrivé, on n'a absolument rien eu. Du coup j'ai été voir dans les codes sur du PC et ils ont complètement changé les fichiers en disant qu'on recevrait pas 350 V-Bucks mais 250 V-Bucks gratuitement pour tous les joueurs. Du coup je vous avais dit qu'on va l'avoir pour très bientôt et au final on est bientôt au pass de combat. On est plutôt enfin à Noël et on les a toujours pas reçus. Et les gars, qu'est-ce qui sort en ce moment sur Reddit les gars? Et c'est vraiment là que c'est même sûr à 100%. Tout simplement un post anonyme de quelqu'un, et souvent les posts anonymes de joueurs etc sont souvent vrais. Je m'explique, tout simplement quelqu'un a fait un post anonyme en disant qu'il allait avoir une nouvelle récompense pour tous ceux qui ont activé la 2F, je sais plus toi, je sais plus trop quoi, en vrai c'est une double sécurisation. Au début je vous ai fait une vidéo il y a très longtemps en vous disant qu'on allait recevoir une danse gratuite, mais non, au final dans ce post anonyme, on va dire ça comme ça, sur Reddit, un joueur a dit que on allait avoir une très bientôt une récompense gratuite pour tous les joueurs, pour tous ceux qui ont activé la 2F, en tout cas traduction, la double vérification, recevront gratuitement sur leur compte 350 V-Bucks
gratuit. C'est un truc de... Je m'explique, tout simplement, en ce moment, il y a beaucoup de comptes Fortnite qui se fait pirater. Du pourquoi, du comment, j'en ai aucune idée. Mais enfin bref, il y a beaucoup de comptes Fortnite qui se fait pirater en ce moment. Du coup, Fortnite font un truc de fou. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore leur double vérification, eh ben, quand vous allez faire, vous allez recevoir 350 V-Bucks gratuits. Et c'est là pour inciter aux nouveaux joueurs et même aux anciens joueurs qui n'ont pas activé la double vérification de le mettre pour recevoir 350 V-Bucks gratuits. Ah, ils sont malins, Epic Games. Voilà, vous allez me dire, mais oui, mais c'est un post anonyme, c'est peut-être pas sûr. Et là, c'est là que j'interviens, c'est que tout simplement, ce post anonyme a été supprimé par un employé de Fortnite, donc du coup, ceux qui gèrent le Reddit de Fortnite, 4 minutes après sa sortie. Bon, 4 minutes, 5 minutes, on va arrondir à 5. Et c'est là que c'est très bizarre. Du coup, quand un joueur fait un message anonyme, principalement vrai, tout simplement, les employés qui gèrent le Fortnite Reddit suppriment le post pour pas que beaucoup de gens le voient. Mais au final, ça a été fait, on a été au courant, et je vous explique là maintenant, parce que c'est même sûr, sinon ça aurait pas été supprimé. Tous les joueurs qui n'ont pas encore activé l'A2F, donc du coup, la double vérification de compte, recevront gratuitement 350 V-Bucks gratuits. C'est même trop cool quoi. Maintenant, la date que ça va arriver, j'en sais rien les potes, mais ça arrive très bientôt, c'est tout ce qu'on doit savoir. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plaisir, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas tous à vous abonner, on est une chaîne d'information Fortnite, enfin plutôt, je suis une chaîne d'information Fortnite. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, tu connais la tradition. En tous les cas, je t'avoue souhaiter une bonne journée, et une bonne soirée, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, à peace tout le monde.